Eh bien, bonsoir, bonsoir à personne, car personne n'est là. Bonsoir la VOD. Alors, le jeu n'est pas réglé. Eh oui, c'est réglé sur Fall Guys. Pas trop ça. Voilà. Voilà, c'est bien cadré, le son. Il y a du son. Eh ben, on y va. Tout simplement. On reprend. Parce que si je reprenais un autre jeu ce soir, j'avais complètement oublié ce qu'on devait faire dans ce jeu. Ou comment le jeu fonctionne. D'ailleurs, il faudrait que je farme les points de recherche, j'avais oublié ça. Je vais essayer de faire ça si j'ai le temps. Les prochains jours. Hop, hop, hop. Ah oui, on s'était infiltré chez Google, là. C'est ça qu'on veut. Exactement, c'est ça qu'on veut, Comment mec. ça va? Je vous assure que c'est sans danger. Il y avait des robots, effectivement. J'ai le hoquet, au secours. Ah, j'ai fait peur au mec avec l'harmonica, visiblement. Alors. Eh ben, on continue. Non, 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 non. Non, non. Ouais. Ah oui, les peintures. On a que les trucs secondaires, là? Bon, bah, défi e-carte, allez. Hein. Ça a l'air trop drôle. C'est où? C'est là-bas. Incroyable, on a déjà le trajet. Los Trajedos. Et mon jeu a déjà des frises aussi, c'est trop bien. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Oups. Oh, Citara? Josh? Putain, dites-moi que c'est pas ce que je crois. Pas voir, hein. Marcus, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Dis, je me fais troller là. Notre serveur se serait pas fait hacker par hasard? Tu sais, je crois que tu devrais venir. Ah bah voilà l'opération principale. Non, mais on va faire du kart, bien sûr, pour commencer ce live. Trop bizarre ce son de voiture. Ouais, envoyez, ouais. C'est quoi ce bruit de voiture? On dirait une soucoupe volante. Surtout, restez calme. C'est pas moi, hein. J'ai appuyé sur X quand même, mais c'est pas moi. Oh, trop bien les motos. Oh, mais j'ai une voiture électrique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, ça fait partie du truc, du fait que je me fasse pirater. Je suppose. Bon, on va faire ça après. Après, rien ne nous empêche de faire du... un peu de gameplay de quête secondaire. Je sais pas, on va voir si je l'ai fait. Je vais essayer d'en faire par-ci par-là, quoi. Ouais, effectivement, on va peut-être d'abord faire la principale dès qu'on finit ça. Hey yo, Marky Mark! Surtout, m'appelle plus jamais comme ça. Marky Mark, la ref. On peut décoller un peu quand même. Celle-là, elle est bien. Ok, alors si moi je suis Marky Mark, je Mark Wahlberg. Bah ouais, si ça te fait plaisir, ma gueule. Oh là, ça par contre, c'est cringe. Dépêche-toi de me rejoindre sur le toit, immédiatement. Oui, bah voilà, hein. Waouh! J'abandonne. Stylé. J'abandonne et puis c'est tout. Qu'est-ce qui va pas? J'étudie à l'école des technologies avancées d'Auckland. On participe au défi Icard de Noodle et on perd tout le temps. On est incapable de battre les écoles prestigieuses. Stanford surtout. Ils sont financés par des grosses boîtes avec toutes sortes de technologies. Stanford. Juste Auckland quoi. Et c'est foutu. Juste Auckland. Auckland, c'est quelque chose putain. Tu peux y arriver mec. Moi je viens d'Auckland. Ah c'est bien, t'es enthousiaste. Tu veux piloter pour nous? Quoi, t'es sérieux? J'ai jamais fait ça, mais bon, je veux bien écraser tout le monde. Moi, c'est Marcus. Enchanté, Marcus. Moi, c'est Taylor. Bonne chance pour la prochaine. Taylor. Taylor. C'est pas Taylor, c'est Taylor. Bah oui, bah j'ai bien vu qu'un pistolet paralysant, il me détecte quand même à 2 km. Autant dire que ça ne sert à rien.
Ah, peut-être s'acheter un silencieux par contre. Pourquoi j'ai... Il y a que mon cas... Ah non. J'ai vu qu'ils avaient tous des cartes rouges. Et on peut pas les pirater ceux-là. Hein. Et y'a quand même l'autre qui me met de la merde sur mon truc. Calme-toi. Hein. Fuck. Wouhou, c'est bon. Allez, le dernier. Pas que je me fasse redépasser non plus. Mais c'est nul à chier cette histoire. J'ai l'impression de jouer à Mario Kart, hein, vraiment. Mais sans les objets et sans le fun. Et avec du caca partout aussi parce que je me fais pirater. Un plaisir. Je peux pas la rattraper, hein. C'est ingagnable. Je vais commencer à cut. Ouais, c'est juste the way to go, hein. On va lui faire ça depuis le début. J'ai pas osé. Non! Enfoiré! C'est impossible! Et du coup? J'ai raté? Oh putain! Tu vois ce que je voulais dire? On est incapable de les battre, ces mecs. Tu sais, okay. Si vous aviez une batterie potable, ça aiderait beaucoup pour les départs. Ouais, c'est logique. Je vais voir si je peux en trouver une. Tu peux exprès? J'ai pas compris. Ouais, bon, c'est relou. C'est franchement relou. Bon, ok, il faut que je fasse la mission principale parce qu'il va me saouler là. Ah, il y en a plein, génial. Ok. Hacker Wars, ça doit être ça. Oui. Non. Ok, c'est parti. Je reprends mon carte. Faut que j'apprenne à le prendre en main. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a? Hop là! J'ai vraiment des coups de prise de mon jeu par contre, c'est assez chiant. J'espère que ça se voit pas sur le stream. Ouais, il y a des petits coups de prise. Hein. Allez, on va s'occuper de ça. Dans 500 mètres. Quoi? Oups! Pas fait exprès. Ah ouais, mais bon, c'est un truc qu'on s'en fout. Allez, le cut. Le raccourci de Mario. Waouh, 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 waouh. Bon, insupportable. Allez, tirez-vous. J'ai des urgences, là. Qui repère des terroristes pour les FBI, c'est semble-t-il la nouvelle stratégie des fédéraux. Entre la hausse du nombre de cyberattaques et l'intégration de CityOS dans chacun des mécanismes de notre ville, le FBI prend des mesures draconiennes pour protéger cette technologie. Un rapport du Congrès révèle que le FBI... Ok, c'est parti.
Bien sûr, cette salope de Lenny. Citoyens du monde. Oula. Veuillez m'accorder votre attention de crétin décérébré. Tête sec, tête sec. Ce n'est qu'un énorme tas de losers bons à spammer vos flux RSS. Ils prétendent être les garants de votre libre arbitre, alors qu'ils ne sont qu'une bande de bidouilleurs qui fait n'importe quoi pour un peu de popularité. Quelle horreur. Mais c'est fini tout ça. Moi, je vais leur donner une bonne leçon. Et vous, Detsec, si vous pensiez que je ne peux pas, Dégueulasse. Détruire votre système. Eh bien, dans ce cas, des YouTube poupes ou quoi? Connaissez mal, et je vais squatter un peu pour corriger ça. C'est juste l'enfer. Ouais, c'est juste Kiki. On fait le ménage dans les félins pendant le Joss essaie de trouver la clé de cryptage. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Merci. Ok. Bon, je pense qu'on peut leur déclarer la guerre, là. Ouais, on va pas laisser ces trolls nous traîner dans leurs égouts. D'être sec en coup pour coup. Et après? Ça fera quoi d'être en guerre avec eux? Ça enlèvera pas l'avantage qu'ils ont pris sur nous? Ça changera rien. Calme-toi, Mister Robot. Si on sent pas les couilles. Hé, hey, écoutez. On va pas laisser Primate nous enterrer. Faut qu'on gère ça bien. Ok. Primate vend des exploits zéro day à quiconque peut se les payer. Ouais, ça veut dire gouvernement, Bloom, Noodle, jusqu'à des groupes terroristes. Et les Sons of Ragnarok. Quoi? On dirait un club de motards, ça. Mais ouais, les Sons of Ragnarok. On sait que Primate bosse régulièrement pour eux, non? Alors on se démerde pour en savoir un maximum sur leurs membres et leurs opérations. Chez DeadSec, on se couche pas, devant personne. Yo Josh, tu te réveilles ou quoi? Je viens de voir qu'il avait un tatouage sur son poignet, Wrench. C'est genre le guide mot de passe. D'accord, c'est la guerre. C'est d'un goût. Vas-y, pousse-toi. Puis on dirait que ça a été fait par un gosse. C'est obligé qu'ils aient des ennemis susceptibles de nous filer. Je sais pas si on le reverra après. On va bouillaver leur grand-mère. On va bouillaver leur grand-mère, qu'il a dit. Il a les mots. Bon, alors. Continuez à bosser. Attends. Sur Kiki. Ah, on peut pas mettre pause, lol. Attendez. Faut juste que je fasse un truc. Primordial. Pas du tout. Salut du tu. Insulte qualitative. Effectivement. De bouillaver leur grand-mère. C'est sorti quand ce jeu déjà? C'est genre 2015, un truc comme ça? Ça se voit que ça date, quoi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, je vais juste afficher ça. Ok. Ah oui, merde, pardon. Aussi ça, voilà. Et même encore mieux. Voilà, je fais bugger le stream énorme. Voilà. Tu sais où la trouver? Elle va souvent dans une boîte du côté de Castro. Ouais, je vois laquelle. Comment ça va du tu? Marcus, t'as une seconde? Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai regardé un peu l'algorithme qu'on a récupéré chez Noodle et il y a un truc qui va pas. Les données qui balancent sont toutes fausses. Tu veux que j'aille jeter un œil sur place? Ouais, si tu peux. Ok, je m'en occupe. Ok, let's go! On va aller les bouillaves. Voiture! Elle est où ma voiture? Bon. J'avais pris mon carte là. Promène sur les streams qui n'ont pas beaucoup de viewers. Eh bien, écoute, bienvenue. Merci de passer. Hein. C'est vrai que ce soir c'est assez calme. Voilà. Évidemment, d'habitude, on tourne à 24 viewers quoi. Pas l'habitude. Hein. Non, bah écoute, un plaisir. Hein. C'est sympa de faire ça. Et voilà, moi je fais en général des let's play sur des franchises de jeux ou alors des jeux qui me donnent envie. Tout le monde va bien ? Comme je fais avec les Assassin's Creed et c'est pour ça que je joue à Watch Dogs aussi. En ce moment je fais les Devil May Cry aussi. J'ai fait Outer Wilds. Outer Wilds ou Outer Worlds ? Outer Wilds, oui.
Et je vais commencer Stray dans pas longtemps aussi. Notamment. Voilà, je fais un peu la présentation du coup de ma chaîne. Globalement, c'est ça. Et des professeurs Layton aussi. Et les jeux Rayman. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'essaye de varier les plaisirs. Et j'y vois plus rien. Ok, c'est normal. Ouais, je varie un peu les contenus. Après, ça reste du let's play, mais j'essaye aussi de, quand je peux, de refaire des lives avec des gens. Où il y a pas longtemps, on a fait du Codenames, Gartic Phone, tout ça, Fall Guys. Oh bien. Bon, je te mets la puce. Ah voilà, c'est à qui on doit bouillaf sa grand-mère. Regarde-moi cette brêle. Oh. Alors, dis-moi, combien de pauvres Chinois t'as enfermé dans une cave pour craquer mon code magique? Oula. Non, je dis respect. Maintenant, faut que je te demande gentiment. T'as été rapide quand même. Hein. Tu me donnes la clé et je t'embête pas plus longtemps. Ah, Mathé, bien sûr, le style de mon perso aussi. Bonsoir, Alicie. Oh, juste que vous fassiez une Comment vidéo on va à la con. Waouh, je savais pas que tu faisais partie de nos followers. Ah, vous voulez que des foules d'internautes vous adorent, hein? Bah, pas tant que je serai là, bordel. Ah, écoute, ça fait plaisir, hein, oui, ça va bien et toi? Oui, j'ai relu le message, ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. C'est une vidéo dans laquelle vous dites au public que DeadSec est à chier et mérite pas 2 minutes. C'est vrai qu'en plus, j'avais oublié que... J'étais en train de repenser justement au fait que je t'avais dit qu'on devait peut-être se reparler pour demain, mais... Bon, au final, on verra demain, hein. Ouais. C'est pas bien grave. Tac. Si vous le faites pas... Et j'ai mis mon réveil, j'ai pas oublié. Publiquement, tous vos blazes. Eh ouais, vos petits noms à vous, vos identités, toutes les pages jaunes et blanches de DeadSec, bitch. Bitch. Donc, on ne laisse pas vraiment le choix, on dirait. Eh non. Quel langage fleuri dans yeux, incroyable. Sois sage. Je me sens jeune, et là. Surtout, tu repasses après bitch, ok. Et tu vas aller me faire la vidéo que je viens de te dire. Je finis vers 22h, si jamais t'es par là, on peut discuter. Si besoin. De toute façon, moi, après, je suis là toute la night, quoi. Alors prends un Jones, là, dans le jeu. En gros, elle veut qu'on fasse une vidéo où on dit qu'on est nul. Alors là, elle peut toujours courir. Aussi, oh, on va faire une vidéo. Sauf que c'est elle qui va passer pour une débile. Oh, quelle longue glace. Installer un malware sur des distributeurs. Alors, avance. Ce sera les distributeurs. Ils gèrent l'opération depuis leur port. Recule. Pompé de touche. Lol. Je vais envoyer le pli en reconnaissance. Retrouve-le une fois que tu seras sur place. Let's go. Allez. Merde. Suivi. Et du coup, ça active le GPS? Pas du tout. Let's go. Oh, c'est loin. Bon, un petit trajet en bagnole, quoi. En moto, pour le coup. Ça va vite. Ça va beaucoup plus vite que les voitures. Et vous savez ce qui va encore plus vite? De cut. Ça peut que bien se terminer. Allez, on pousse. 1400 mètres, je pense alors. Ouais, faites pas attention à ça, évidemment. Vous n'avez rien vu. Ouais, c'est très tranquille ce soir. Hein. Daniel m'avait dit qu'il serait pas là. On n'a pas de modération, quoi. La chaîne en déclin. Oh. Silicon Valley. Wow. Oh, la physique de la moto. Allez, je cut, je m'en fous. Je suis ouf. Wow. Eh, c'était ouf, en vrai. Marcus Anus, on est au bar de Sosalito. Allez, ramène-toi. Ok, j'arrive. Marcus Anus. Eh, je fais un joli stunt avant, je suis content, mais il n'y a personne pour le voir. RIP. Oh oh.
Non, c'est bon, on tient sur la moto. C'est pas moi. Ah, je suis bloqué. C'était là, let's go. T'as besoin de modération pour tes lives ? Non, non, je rigolais. En vrai, hormis des bots, on a banni personne pour l'instant. Enfin, ça fait 3 ans que je stream, mais tu sais, vu que je fais des let's play et parfois des jeux un peu obscurs, je sais que ça attire pas forcément énormément de gens non plus, donc on n'a pas eu de soucis. C'est bon, t'étais là pour voir le stunt au moins. Je suis refait. Après, de toute façon, je mets les VOD aussi sur YouTube. Yo, Gouli. Bien ou quoi, Rétro ? Mais non, pas de soucis de modération, c'est juste... c'est le seul modo. Ça fait longtemps qu'ils utilisent de faux lecteurs de cartes, mais... ça d'habitude, pas il est toujours là, mais là, ce soir, il n'est pas disponible. Ils ont triplé leurs revenus. Pas étonnant. Le code récupère les données et envoie une copie au Primate. Allez. Ni l'utilisateur, ni la banque. C'est l'heure de... faire briller mes talents d'infiltration, là. Eh ouais. Ouais, ça va. Ça devrait pas être trop dur de modifier leur code. T'as fait des lives tranquilles comme ça, là. Ragnarok serait vénère contre les nés. J'essaye de... enfin, j'essaye de me divertir, pas vraiment. Ouais, c'était ça, surtout que j'étais en étude avant. Tu ferais mieux d'y aller, Gouli. Et du coup, j'avais pas forcément le temps de préparer des lives un peu plus élaborés que de faire des let's play. J'aimerais bien faire plus de lives et des lives un peu plus variés. Je pensais peut-être à faire du code, à développer des jeux en live. Même pas forcément codé, mais peut-être avec des trucs préfaits pour faire des jeux, juste pour faire des petits trucs un peu délire, quoi. Des petits jeux à la con. Ok, les distributeurs sont là. Détruis-les, vas-y. Et potentiellement d'autres trucs, mais voilà, ça prend du temps. Je suis tapé ta sœur, bah let's go, hein. Ok. Il faut que je me concentre sur ce que je dois faire, en fait. Ça, c'est stylé. Ouais, j'aimerais bien, hein, ce serait cool. Mais voilà, même si maintenant je suis plus en études, j'ai quand même un taf. Et je peux pas non plus faire ça. H24. Non. Pas la bonne touche, ça, bro. Ok, là-haut. Détruire les distributeurs. Donc, faut détruire ces trucs-là. Hop, on va mettre ça au cas où. Et je crois qu'on peut attirer les gens. Ah, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas joué, donc... ça a marché ? Non. Dommage. Ah, si ! Mais non, c'est juste... Non, non, il y va. Et là, attention ! Il est sérieux, là ? Retour ! Bim ! Ah ! Fouille la zone. Oups. Je sais pas comment ils m'ont cramé, mais bon. Ah merde ! Ils sont juste là, en fait. Plus simple, si t'as pas tellement de préparation, c'est de faire des Battle Royale ou des jeux matchmaking, Steel Code ou War Thunder. C'est vrai que ça attire plus de gens. Après, moi, je suis pas tellement... Bon... Code, ce serait pas déconnant non plus. Ça, c'est pas un ennemi, hein. Non, c'est bon. Envoyez des gars ici, vite ! Oh, j'ai fait n'importe quoi, let's go. Ouais, faites pas attention à ce qui vient de se passer, évidemment. On va recommencer sur de bonnes bases. Évidemment, je me concentre sur le chat au pire moment. C'est pas grave. Ouais, après, par contre, le jeu auquel je touche un peu ma bille maintenant, c'est Fall Guys, en vrai. Je me dis que ça peut faire des lives... très facile à faire et où c'est assez divertissant, quoi. Fall Guys, ou ce genre de truc, il y avait quoi encore Parce qu'en plus, okay, Fall Guys, je peux y faire tout seul, assez tranquille. Vas-y, fais-toi plaisir. Peut-être du Minecraft, un de ces quatre aussi. Je ne sais pas. Pas forcément des jeux narratifs, quoi, des jeux... tranquillux. Et en plus, Fall Guys, on peut jouer avec des gens, si jamais des gens passent en live et veulent jouer. C'est assez fun, ouais. C'est mieux que genre Gartic Fun, parce que voilà, il y a des randoms qui me demandent s'ils peuvent jouer à Gartic Fun, moi je leur dis non. Hein. On sait bien sûr où ça va aller, quoi. Je crois que j'ai détecté à peu près tout le monde, là. On dirait trop le chien dans GTA V, là. Le chien de Franklin. Ah oui, il y a encore eux.
Ah, ils m'ont cramé vachement vite quand même, hein. Je suis un peu deg. Je vais retrouver des dessins douteux, ouais, alors ça c'est certain. Même pas forcément certain, mais ça peut clairement arriver, quoi. Je vais pas me faire avoir. Bon. Par où peut-on commencer en vrai? Parce que ça attire l'attention, ça. Alors là, il y a lui. Lui, il va me voir instant. T'inquiète pas, bro. C'est pas gentil, hein. Ça, c'est des gros motards et tout, mais ils s'en foutent. Ils sont pas armés, en fait. Ah, j'ai failli choper un civil. Ouais, faites pas attention. C'est mon copain, c'est juste une tape amicale, bien sûr. Il dort juste très fort. Alors, oups, ça c'était un civil. Bon. Ah, oh, merde. Hop, retrait stratégique. En vrai, du coup, il se barre là-bas, ça c'est bien. C'est bien pour nous, ça. Éviter de s'exposer non plus. Tout dans les genoux. Voilà, c'était la strat, évidemment. C'était prévu. Comment? Oh putain, l'idiot. Ah, bonsoir, Fagno. Ah bah t'es là, finalement. Ah, je suis vraiment trop con. C'est pas moi. Merde, 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 merde. Je rêve. C'est n'importe... J'arrive pas à croire ce qui se passe. Oh, le yinche. Il va me faire cramer. Je vais faire un truc au chien ou pas? Je vais me faire... cancel. Merci beaucoup du jeu d'être passé. Bonne suite de stream. D'aller voir des gens en stream. T'avais lancé à 21h, t'aurais pas été... Ah, ok, ouais. Pour 28 minutes, bon, c'est déjà ça. Hein. Est-ce que je peux faire quelque chose sans me faire poursuivre par les protections des animaux? Ils sont beaucoup là-bas, quand même. C'est pas des ennemis. Ah non, mais là, je suis désolé, mais... Et elle fait miaou miaou, là. J'ai pas envie de le faire. Mais tu voulais être modo? Non, il demandait juste s'il y avait des soucis que je me faisais genre harceler ou je sais pas quoi. Bon, j'étais obligé. Et voilà. Ça aura pas duré. Bon voilà, évidemment, c'est parce que t'étais pas là, du coup, j'ai fait n'importe quoi, lol. On va recommencer. Faut que je me concentre, j'ai de la peine à chaque fois que je commence le jeu. Allez, tuez-moi, là. Faut que je prenne le temps de me concentrer, de me rappeler comment on joue au jeu, surtout. Chaque fois, c'est un calvaire, ça. Des gens... C'est le truc de First Class Trouble, c'est ça? Tu les piques avec une grosse seringue, ouais. Ok, les distributeurs. Ouais, je teste le jeu, un de ces quatre. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, si on fait exploser le truc, ça attire tout le monde, bizarrement. Par ici, ils sont deux. Et voilà. Si on fait avancer un truc, là... Non, ils sont pas dans des angles. Le problème, c'est comment les avoir discrètement sans attirer l'attention. Le chien, par là, il faudrait pas passer. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment moyen de... d'écarter le chien. Là, il y a ce truc de mort. Que je peux pas éteindre. Ça, en vrai, ça peut attirer les gens aussi. C'est pas le bon bouton, espèce de gros con. Tu rends débile.
D'autre côté, pas de lag si tu laves. Ouais. Si tu live, pas si tu laves. Effectivement. En vrai, il est où le gars? Il est là-bas. Oh, il va clairement me voir. Qui est là? Surtout, reste calme. Ah, c'est que des civils, ils s'en foutent. Ah non, il s'en fout pas. Fait quoi, lui? Cherche la bagarre? Je démonte, hein. T'as juste eu de la chance, c'est ça, mec. Bon, on va retourner là-bas. 40 sur Pokémon Crystal, Bob le Noctalide, ton équipe avec tes meilleures capacités. Et bah voilà. Ça qu'on veut. Chut, j'ai entendu un bruit. Ça a éteint le truc? Non. Bam! Est-ce que ça attire tout le monde? Non, ça va. Parce que ça, c'était pas une explosion. C'était juste électrique. Ou non? Ah d'accord, ça a alerté. Oh putain. Ok, au moindre cadavre qui se trouve, ça alerte tout le monde maintenant. Ok, ouais. Écoute, hein, il est parti. Autant en profiter. Du coup, comment ça fonctionne, ça? Ça m'arrange qu'ils aient tous là-bas. Ah, Divarine, le mini-draco. Je viens d'en avoir un aujourd'hui, en plus de mini-draco, mais dans... Écarlate. Enfin, violet, pour le coup. Bon, il y a sûrement une entrée par en haut, sinon il n'y aurait pas de... Voilà. Obvious. Je sais pas ce que c'est, mais je le prends. Hop. Ils vont revenir. Là, il y a aussi un... Oui. On va éviter, lol. Ah, on peut y pirater depuis là. Let's go. On aurait pu le faire aussi avec la voiture. T'as eu un shiny? Non, pas de mini draco, non. Je l'ai juste capturé. Parce que je l'avais pas eu avant, en fait. Merde. C'était une idée de con. D'arriver à deux endroits. C'est les deux qui étaient là-bas, je pense. Il fait quoi, lui? Viens là, hein, ça m'arrange. Il était déjà là-dedans, c'est ça, je pense. C'est un peu gênant, la situation. Il n'y a pas à ouvrir le garage, quand même. Oh, fuck! J'ai un hate mort ici. On ferme boutique. Oh, merde. Oh, je suis bien dans la merde. J'ai même pas appuyé pour fermer, d'ailleurs. C'est fermé tout seul. Non. Ils viennent pas. Foot. Je suis coincé. Non, il était normal, il était bleu. En fait, c'est le seul endroit où je peux sortir, ça craint. On va grimper là-bas. Barrez-vous! Bon. Plan B. Faire diversion. J'ai entendu un bruit. Retourne d'où tu viens. Mais c'est qui ce type? Attention! On a de la... Putain de merde. Je vais le choper. Mais quoi? C'est le chien. J'ai envie de crever. Allez hop.
On va se bagarre là. Tu pourras pas te faire longtemps. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je suis nul. Quel enfer. Oh mais ils sont combien? Allez, ça devient Call of Duty là. Oh, ils sont 40 000. Je suis tellement mort. Ah, je fais n'importe quoi. Vraiment, en une heure, je n'aurais rien accompli. C'est fantastique. Bon. Se reprendre. En vrai, c'était un bon plan de les attirer là-bas. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de me barrer. Une fois que j'étais là. Donc là, ici. Les deux là, on peut les choper et alerter personne. En vrai, c'est clairement faisable, okay, je pense. Les distributeurs sont là. Détruis-les. Et juste lui qui m'emmerde là. Plaisir. Ouais, qui commence à bouger, à aller vers la droite. Dès qu'il fait ça, je le chope. Hôtel. Faut pas les pirater en plus. Salut Elberakim. Comment il va? Elberakim, pardon. Pas l'habitude de ce pseudo. Il veut pas se barrer, lui? Il va pas bouger, hein. Mais avant, il allait tout le temps à droite. Allez, on y va, hein. Évidemment. À la bonne heure. Zrek! Hop là, maîtrisé. Ouais, faites pas genre, c'est bon. Traverse, je m'en fous là. Je pense ça. Devant tout le monde. Je te le dis, c'est des putains de conneries de classe internationale. Lâchez la merde. Fais un backflip. Tu connais le jeu, toi. Je sais pas comment il fait. Ça m'a l'air plutôt cool tout ça. Merde, 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 merde. Mais viens, mec. Pas de soucis, c'est cool. Viens, on est bien. Merde, t'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, on n'a jamais continué notre partie de... Mais j'ai cru que le civil allait prendre à sa place. Okay, on n'a jamais continué notre partie de The Guild. J'y repense de temps en temps que j'ai bien envie de me refaire une partie, en vrai. Shit, shit. Vite avant qu'il donne l'alarme. Paf. Paf le chien. Non, il vient pas. Mais du coup, il est tout seul. Let's go. C'était son pote qui est venu. Il me voit. Personne me voit là, calmez-vous. Si, si, si. Oh merde. Merde. Oh, c'est pas vrai. Hop là. Bon, je suis de nouveau dans la merde. Ils sont plus que deux. Non, mais ils vont rappeler des renforts. Ça dégoûte. Bon. Caméra. Pas celle-là. Oh putain, mais ils vont encore venir là-dedans. Oui, bah oui. Bon, tu sais quoi, rentre.
Veux que je t'ouvre ? Voilà. Ouvre l'œil ! C'est pas terminé ! Comment il s'est échappé ? Mais que ça se referme. You are dead. Dernière chance de sortir. C'est dommage pour toi. Il y a ce putain de clébard. Mais comment je fais ? Impossible ! Hop là ! YOLO ! Non mais j'en peux plus ! Il me crame pour un oui ou pour un non là ! Eh, il est vraiment dur le genre, ouais. Ce truc de merde là. Ouais, bah, je m'en fous, c'est quoi, vas-y. Je m'en bats les steaks, on y va, voilà. On a plus le temps. On a été clair là, non ? C'est comme si un million de gens escroqués par un zéro dev venaient de pousser un cri de gratitude. Salopard ! Lenny va avoir beaucoup de mal à expliquer ça aux Sons of Ragnarok. Bordel de merde. Se barrer. On taille. Ouh. Allez, le cardio là. C'est quoi, c'est une moto? Non, c'est une personne. Pas d'arme à feu, c'est pas vrai. Je crois qu'ils sont un petit peu énervés, les loustiques, là. Donne-moi ça, bro. J'en ai besoin plus que toi, là. Allez. Oh, ils sont là. Ils sont clairement là. Hop là. Ciao, les losers. Merde, je suis obligé de les croiser. Voilà, bon. Un de moins. Merde, j'ai pas vu les cailloux. C'est une voiture. Allez, dégage. Idiot. Cadeau. Boum. Sérieux encore? Assez vite, OMG. J'ai vraiment une voiture pourrie. Bim. Ok, tout se passe comme prévu. Et voilà. Où est le problème? Je vais te demander quand même une voiture. Ah, le diable de Tasmanie, là. Lenny. Tu devrais faire du télémarketing, tu sais. Ah, au fait, on va pas la faire, ta vidéo. Ouais, bah tu sais quoi? Rien à battre. Je m'en bats les couilles. Rien à foutre. Ah ouais? Je sais que votre serveur est toujours bloqué. Bah je vais le débloquer, en vrai. Et voilà. Hop là. Écarte-toi. Non. Ah, il est vraiment vénère, lui, hein. Hey, Lenny a raison, Marcus. Kiki est toujours inaccessible. On s'en fout. Fini de jouer. Ah, il l'a cherché aussi. Et on prend la clé de déchiffrement. Je vais juste briser les jambes. Il va bien. Mais on n'a pas de coordonnées. Lenny s'est fait implanter une puce RFID. Ça peut pas nous aider à la retrouver? Ouais, c'est possible. Cool, je vais aller la voir alors. Râle le cul de ces conneries. Wrench, t'es mon backup. Chef, oui, chef. Alors.
Bon, on va finir cette opération quand même. Paf, paf, paf. Suive le chemin, c'est pas trop pour moi. Non, non, non. Ok, let's go. Les bonnes barrières incassables. Je comprends rien là où il veut me faire aller là. Oups. Oh. Ça me gratte le nez. Marcus, t'es dispo? Pour toi, toujours. Parfait. Retrouve-moi auprès d'un surgage dans Mission. Tu sais, à côté de BDSM Mania. C'est louche, BDSM Mania. Tu veux faire quoi? Ça va être un endroit très sympa, un parc d'attractions probablement. Une vidéo drôle, la vidéo montre comment les gens normaux mangent. Des légendes comme Goku, Naruto, etc. Puis il y a Luffy qui est une ultra légende. Moi j'avais vu une vidéo très marrante avec ça, c'était par rapport à Attack on Titan, et à un moment tu vois un visuel de famille qui mange un truc dégueulasse, enfin je vais pas spoiler quoi. Puis tu vois, c'est genre du cannibalisme, et puis tu vois Luffy en train de bouffer le cadavre avec eux, mais qui est genre trop content. Ça s'intégrait hyper bien dedans, c'était trop marrant. Il me chasse là? Non. Non. J'ai rien fait. Ça marche, bonne soirée et bonne partie de... Sûr que tu veux continuer ? Truc, attends, non, c'est First Class Stronghold, voilà. Et tu sais pourquoi ? Zéro mort, évidemment. Les vidéos de propagande, les graffitis, toutes vos conneries anti-système bien pensantes. Vous vous prenez tellement au sérieux, bande de baltringues. Hey, tu viens de nous attaquer, mais faut que tu comprennes. On est tous dans le même bateau, ensemble on pourrait même... Hey ! Non mais oh, tu m'as prise pour... Quoi ce qu'elle a sur le bras ? Vraiment que tu sois une sacrée quiche pour que je vois aussi clair dans ton jeu. Ah, je me suis dit que ça va être cool. Hey ok. Toi. Bouhou, pauvre chou. On va voir ce que vous arrivez à faire sans serveur. Avec ses cicatrices partout. Oh là, mais toi. Take the shard, goddammit. Bon bah les steaks. On a localisé le bunker des Primates. Et Lenny se doute de que dalle. Ou pas. Oh ça va, faut pas la surestimer non plus. Nyon. Oh là là. Question vitale. Alien versus Predator, qui c'est qui gagne? Mais c'est archi débile comme question. Les aliens, ça utilise les Predators comme incubateurs pour perpétuer leur espèce. En mode, je te fous un lézard dans le bide. Et les Predators, bah, ils viennent d'un monde où soit tu chasses, soit tu crèves. Sans pitié, quoi. En gros, ils ont besoin des xénomorphes pour s'entraîner à devenir des guerriers d'élite. C'est un écosystème bien pourri où il n'y a pas vraiment de vainqueur. Ok, laisse tomber le côté scientifique. Imagine juste qu'ils se foutent sur la gueule. Oh, c'est méga loin. Qui c'est qui gagne? Hein? Attends, on parle de Ridley Scott ou James Cameron, là? J'ai préféré la suite, disons Cameron. Marcus. Va falloir qu'on parle de tes coups de chiottes en matière de cinéma. Mais bon, bah, contre un alien de Cameron, vu qu'ils sont plus agressifs, le Predator gagnerait, facilement. Il serait largement que Ridley Scott, c'est mieux. Du coup, il aurait aucun mal à gérer les attaques du Xeno. Mais c'est comme si tu me demandais qui gagnerait. Ah bon, j'ai besoin de la place. Une horde de zombies. Les aliens, eux aussi, chassent en meute. Ok. J'adore ce pouvoir. Combien il faut d'aliens alors pour que ce soit le Golden Bridge. Un seul Predator? Golden Gate. Je pense qu'un Predator avec une lance de Yoja pourrait en maintenir deux à distance avec son arme. Mais un troisième devrait pouvoir se rapprocher suffisamment. Et même s'il le tue, oh, ça marche, le sort risque de le blesser. Ouais, je sais pas.
Regarde, si je klaxonne pas. Il bouge pas. Les deux ont si je klaxonne. Judge Dredd, c'est pas mal. Et puis les aliens, ils ont affronté Batman. Mais Predator aussi. Et puis, oublie pas Superman et Batman versus Alien et Predator. Quoi? Je me rappelle plus, mais on s'en fout. Tu sais quoi? Je dirais quand on. Je suis qu'à moitié parce que je conduis. Ouais? Et pourquoi? Schwarzenegger, mec, comment il a pris cher? Putain, c'est vrai! Il a failli battre Schwarzy! Faut être balèze pour presque le battre, lui. Et sinon, c'est qui le plus pas fort? Pas vu Predator. L'éléphant. Ouais, parce que l'hippopotame. Eh oui, c'est quand même très très fort! Bon, allez, on se concentre. C'est quoi le plan? Entrer, trouver la clé, libérer Kiki. On peut garder le bunker? On peut, hein? On peut? Ouais. Seulement si t'as de nettoyage. Elle m'oblige toujours à nettoyer. On va commencer par rentrer, ok? Ah oui, le bunker, je le veux. Hop là, j'ai tenté le drift. Discretos. Comme d'hab. Ok les gars, comment on fait? Bon, bah y a pas moyen de déverrouiller la porte. On conduit comme un pied d'ivoire. C'est avec les pieds qu'on conduit, non? Bah voilà. Du coup je conduis très bien. Je vais le trouver. Et bim. Sinon bonsoir. Comment ça va? Elle a dit un conduit d'aération. D'accord. On va détecter tous les ennemis, tous les bolos. Comme un manche, voilà. Mais le volant, c'est avec les bras. Du coup, techniquement, c'est juste. Hein. Donc là, ils sont deux, c'est chiant. Mais. Mais non, il est juste devant la voiture, genre c'est. Plus me tenter que ça, c'est... Je sais pas ce que c'est, hein. Voilà. On a écarté un. Et en plus, les autres s'en foutent. C'est battu les steaks, mais alors... D'une violence. Comme un aveugle. Oui, mais... Ben, voilà, je sais plus quoi dire, maintenant. Non, tu vas pas dedans? Ok. Bah. Autrement, hein. On va éteindre ça, du coup. Pas qu'il se passe des dingueries. Des dingueries involontaires. C'est quoi, ça? Déclencher une décharge électrique non mortelle. Mais pourquoi je voudrais faire ça? À quel moment j'ai envie de ne pas tuer les gens, moi? Pas de témoin, non? Non? Bon, allez. Qu'est-ce que ça dit par là? Là, il y a moyen de me faufilax. Oh, bâtard. Petit bâtard. C'était quoi ce truc? On a... Hey, qui a envie d'éclater une piñata? Envie de crever. Oh, ils ont rien vu! Ouh! Oh, j'ai de la chatte. Marche. Non. Boy. Ouais, je veux jouer avec toi. Tu connais, je t'étrangle jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Ça marche. Fais ton devoir de mari tranquille. Hein. Bonne soirée, mec. À bientôt. Voilà. C'est qui me voit? Ils ont appelé des renforts, OMG. C'est la police? Non. Non, c'est bon. Je croyais qu'il allait venir là. Oh non, c'est bon, hein. C'est bon, quoi. Oui. J'ai peur maintenant dès que j'entends une voiture. Oh, bonne. Okay, je pirate, oui. C'est parce quelque chose, je dois faire... Mais c'est pas du tout ça que je dois faire, espèce d'abruti. Bon.
je prenne en main le jeu, c'est terrible. J'ai l'impression de débuter à chaque fois que je commence un live. Ouf. Et j'ai reçu un message, alors m'excuse. J'arrive dans le jeu, hein. Je suis entré. Oh, ça pue la bière et le fromage de pied. Rien à foutre. Dépêche-toi de trouver cette clé. Voilà, voilà. Stay tuned. Bon, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Touche pas à mes affaires. Retard. Ah, salut, Lenny. Je suis chez toi et je fous le bordel. Ouais, bon, on est chez lui quand même. Enfin, chez elle, pardon. Ah. Donc. C'est Lenny. Elle va faire sauter le bunker. Pardon. Ok. Deux. Non, trois. On dirait que. Oh merde. Peut-être quatre. Elles ont pas l'air connectées. Du coup, il y a peut-être pas d'ordre. Il y a combien de nœuds? Essaie de trouver une autre sortie. Putain, les gars, j'ai besoin de me concentrer. Comme ça. Un sup. Ah, ça a tout mélangé, très bien. Génial. Je kiffe. Ça, comme ça. God damn. Bon, bah, c'est bon, en fait. T'as remis ça bien. Ok. Dieu, que c'est l'enfer. Stop. Stop it, Ron. Genre ici comme ça, puis là c'est bon. Et le dernier. Ouh, celui-là il va être relou. Ça, on est obligé de faire comme ça. Bro! Grave chiant. Paf. Ah oui, c'était comme ça. Hop là. Allez. Chat. Bah voilà, on dirait que les bombes c'est réglé. C'est pas fini, enfoiré. Oh, si, je crois que si. Et hop là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon quad maintenant. C'est plus facile que la mission d'avant quand même, hein. Bon,
Si on se ferait pas quand même des petits trucs... Ah, c'est pas fini. Bienvenue dans le nouveau Hackerspace. Oh, pardon. J'ai vraiment pas fait exprès. On s'est enfin débarrassé de leurs odeurs. Quoi, déjà ? De toute façon, c'est bon, j'ai donné une décharge électrique non létale. Cette personne ne peut pas mourir. C'est allé vite. Va jeter un œil. Oui, non, c'est fini. Oh, 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 oh. Boum ! Du point de recherche. Oups. Tac, 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 on en a 8. 23, oh god. Ça, en vrai, c'est bien. On va prendre. Ensuite, perturbation. Neutralisation auto permet de pirater le réseau de photosynthèse. Ouais. Ça, on veut. Ça, on veut, on veut. Oui, c'est oui. Pirater, nanana. Réduit le coût en ressources botnet des hacks que vous utilisez. Ok, c'est pas mal, mais ce sera pour plus tard. Tac, 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 tac. Là-dedans, c'est quoi ? C'est le tir. Ouais. On évite au maximum. Ah, il faut d'abord le quadricoptère. Ah oui, c'est vrai, il fallait qu'on achète le quadricoptère. Oh god. J'ai oublié. Provocation. Ça, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, sinon ? Ok, toutes les voitures ont plus de vitesse, ça me va aussi. Paf, paf, paf. Les hélicos, on veut, mais il faut d'abord faire un truc. Ah oui, c'est ça aussi, ça a l'air drôle. Attaque de gang. Ça, ça faisait quoi ? Ah oui, c'est ça. Et on lui met une marque, et puis du coup, il y a un gang qui va lui péter la gueule. Ça, on veut. Paf, paf, paf. Donc, on a plusieurs opérations secondaires. On a pas mal, même. On va aller faire ça. Mais bon, apparemment, ça va être un truc qui va nous débloquer des activités. What ? C'est pour ça, le 23 ? On a déjà dépensé. On a gagné masse niveau. Oula, oula. Oula, oula, oula. Hé, hey, l'un de nos nouveaux followers a signalé un truc bizarre. Ça vous dit quelque chose, des mecs louches avec des masques de rats qui traînent à l'extérieur du MoMA ? Une bande d'anarchistes artistiques autoproclamés qui se font appeler l'Académie. Donc ça va être long le voyage, hein. L'Académie, moi, le rat. Ouais, ouais. Oups. Bien vu. C'est quoi leur trip ? La transparence totale. Aucune vie privée pour qui que ce soit. Pourquoi les masques ? Ah oui, du coup, on a du turbo. Ouais, les têtes de rats. À quoi ça ressemble ? C'est stylé. Genre l'eau polie. Merde. C'est Default. Default ? Le musicien ? Default, l'ancien hacker de DeadSec. Default, l'enfoiré de psychopathe qui a essayé de me gazer dans sa maison, surtout. C'est un mec qu'on avait... carrément m'intéresser à eux, maintenant. À qui on avait pété la gueule dans le 1. Un nouveau follower ? Y a pas moyen de se TP ? Bon, non, on va d'abord faire la secondaire. Je crois qu'on peut se TP, non ? Ouais, trajet rapide, ouais, parce que bon, après que ça va foutre. Très bien, on va pouvoir acheter le drone. Droneros. Oh, y a tout le monde qui a des missions, regardez ça, comme si c'est beau. Comme c'est beau. Non, ça m'intéresse pas. Voilà, le quadricoptère. Supercopter. Le cul par terre. Magnifique. Oh là là. C'est dingue, la technologie. Bon, on va voir ce qu'il nous dit. Mr. Robot. Domo arigato, Mr. Robot. Regardez l'algorithme de prédiction des crimes de Boom. Pour voir où ils en sont après leur échec avec WKZ.
Cette carte montre comment ils identifient chaque zone comme peu risquée, très risquée ou autorisation de tuer. Donc ces zones d'Oakland... Très risquées. Le territoire des gangs, c'est logique. Mais celle-là... Ça, mon pote, c'est le City West et son maquillage. Les fils de pute, ils prennent pour cible les écoles, les magasins et les hôpitaux et ils tirent à vue. Ça, c'est des logements sociaux. Tous ces gens, ils ont quitté San Francisco à cause des loyers. Ils sont obligés d'habiter là. Ça va, garde ta colère, Marcus. Elle te sera utile quand on attaquera Blockhead, je vais la garder. T'as raison, ça montre l'injustice du système à son plus haut niveau. T'as encore assuré, Josh. Bah, Ray m'a aidé à contourner le firewall, j'arrivais pas non, à accéder... Non, dis pas de bêtises, gamin. C'est du bon boulot. Hé, t'es en colère, je le sais. Mais on est tous en colère. Il y a une partie de mon putain de code dans ce monstre. Mais si le CTOS pousse les flics à s'attendre à une fusillade, dis-toi bien qu'ils vont se tenir prêts. Pour la faire courte, te fais pas descendre. Ouais, j'avais compris. Merci, papa-maman. Ok, on va faire ça. Hein. Yo, j'ai besoin d'infos. Y a moyen qu'on se voit. Pas de soucis, mais va falloir que tu viennes ici. J'ai un rendez-vous que je peux pas rater. Ici, au quartier ? Exactement. Ok, on se voit plus tard. Alors, ce que ça donne. Marcus, on vient d'avoir un charmant appel de Lenny. Lenny de. Je suis pas là-dessus, là. Hein. Qu'est-ce qu'elle voulait ? C'est encore une blague, c'est ça ? Non, non, elle a besoin de notre aide. Mais elle l'a pas dit comme ça, évidemment. C'était Scooter. Salut les bouffons. Vous voulez jouer ? Opération DLC, non. La cour des grands ? Vous dites oui, ou alors vous allez vous faire mettre par un facochère sous amphétamine. Bon, je crois que j'ai pas. Ouh, le scout sous extra. Ce qu'elle veut. T'es un héros, mec. Je sais, je sais. Ça va deux à l'heure, mais ça va un peu plus vite quand même. Bon, soyons sérieux. Hop là, c'est ma voiture. Oh non, voilà, j'ai hésité. Ça m'arrive tout le temps dans la vraie vie aussi. Quand je mets la nitro sur ma voiture. Bref. Savoir que ça vibre quand je reste appuyé, du coup c'est très désagréable. C'est très long. Ah, ça utilise carrément ma batterie en fait. C'est le moment de m'en rendre compte. C'est tellement long. Oh my god. Voilà. Hop là. Voilà, parquet.
carré. Yo, c'est bon si on parle ici? On risque autant que n'importe qui d'autre. Par contre, tu devrais pas rester à Auckland trop longtemps. Pas avec ton dossier. Tu veux parler des mensonges qu'ils ont sur moi ou de ce que j'ai vraiment fait? Tu sais déjà quel est le problème. Le problème, c'est qui dérange et qui ne dérange pas. C'est la hausse des prix de l'immobilier et son impact sur les gens qui ont fait de cette ville un endroit agréable à vivre. Mais surtout, le problème, c'est la communauté. J'entends de moins en moins ce mot dernièrement. Ouais, je comprends. On va arranger ça. Je dois y aller. Sois prudent, d'accord? Ouais, elle a disparu. Ok, let's go. Il y a des méchants. Il y a forcément des gens, non? Enfin... Josh, j'y suis. Qu'est-ce qu'on cherche? Dans le délire où ils vont arriver après. Un serveur CityOS classique, sans doute collé sur un côté de la baraque comme un genre de parasite. Charmant. Pas fait exprès. Ok. Du coup, ils vont venir là, c'est ça? Ça sent l'arnaque quand même. Ok, je suis en train de scanner les données. Apparemment, les 580 laissent un véhicule quelque part et la police vient le récupérer. C'est une voiture différente à chaque fois. Attends, les flics s'amuseraient à faire du trafic sous le nez du CityOS? Ils apparaissent comme agents infiltrés, intraçables. C'est pas moi. Ce qui veut dire que les preuves physiques sont notre seule chance. C'est pas moi. Il faut cette voiture. Je vais te faire un récap de qui va être où et quand. Tiens, regarde. Tu devrais pouvoir voir la mosaïque normalement. Ok. Évidemment. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Ah, ça fait très mal aux oreilles. C'est désagréable. Hein. On dirait que je l'ai trouvé. Ok pour la config. Je crois qu'on est bon. Tu vois quelque chose qui pourrait faire diversion pendant que tu te barres avec la caisse? Ouais, je devrais pouvoir trouver ça. Des embuscades, trouver des indices pour obtenir des informations sur les parcours et les positions de vos ennemis. Ok. Non. Ah, RB. Genre, je peux les placer, c'est ça? Bon, ça. Ça m'a l'air évident qu'il faut l'activer. Je viens de faire ce que je pense que je viens de faire, là. T'appuies sur la mauvaise touche, let's go. Donc lui, c'est avec la voiture. Faut lui faire reculer sur lui. Ça, comme ça. Puis en vrai, ça, genre... Il le voit par terre comme ça là? On va dire que non. Je me plante mieux que ça. Hein. Bon, on va tester. Ah d'accord, ils viennent après. C'est bon, je suis prêt. Barre-toi vite, ils arrivent. Bonne chance, gamin! C'est celle-là. Il me reste plus qu'à la ramener en un seul morceau. Il n'y a pas de caméra. Si, il y avait une... Quelqu'un s'est fait buter! Voilà. Il a pas pu disparaître! Retrouvez-le! Attendez. What? Encore beaucoup trop nombreux là. On a trouvé cette petite merde.
Aucune trace de lui, il a disparu. Ok, bon. C'est pas le scénar idéal de ouf. En vrai, j'ai juste à voler et puis... Ah merde, j'aurais pu l'avoir, lui. Il réveille les autres. Marc, ça fait sens, hein. Bon, vu de ouf là. Hein. Ah, je fais nimble de. Merde, j'ai activé la voiture en plus. Oh, c'est une catastrophe. Très bien, je comprends maintenant comment ça fonctionne, mais bon. Quelle merde. Bon, évitons de foirer les grenades cette fois. Alors là, c'était bien. Ça, on n'active pas tout de suite, du coup. Non. Lui, il se mange le camion. Lui, je sais pas. Il y en avait plus que ça. Peut-être que pour eux, il y a moyen... Je sais pas. On va voir. Mais j'étais mal planqué là. Là, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Ouais, quoi qu'ici, c'est pas trop mal. Bon, allez. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Barre-toi vite, ils arrivent. Bonne chance, gamin. C'est celle-là. Il me reste plus qu'à la ramener en un seul morceau. Les trois vont là. Lui, il va sûrement aller là-bas, du coup. Ces deux-là, ils traînent par là. Yo, ça va ou quoi ? Oh, c'est relou, j'ai pas de caméra. Bon, ok. Ça n'a pas marché. Il y a une salope chez nous. Attention, les mecs. Et voilà. Voilà. Easy. Vite! Ils sont sur mon cul! Vous, conservez les routes si on veut pas le perdre, ce bâtard! Allez, boum! C'est déjà mieux pour faire des courses-poursuites, là, cette voiture-là. Hein. Là. On va bloquer tous les accès et on pas va vrai. Oh, il a tourné. J'ai trop peur. Je pensais que c'était dead là.
Ok, let's go. Ils ont lâché l'affaire, mais j'ai besoin d'un service. Faut encore que je m'occupe d'un truc ici. Trouvez-moi un coin tranquille où je puisse la laisser. Ok, je ramènerai le monstre à la maison. T'as qu'à la laisser près du pont qui retourne à San Francisco. Je passe la chercher dès que je peux. Merci, mec. Très bien. Voilà. C'est fini du coup, non ? Wrench, la voiture est garée, tu peux venir la récupérer. Bien reçu, au capitaine. Hop là. De mon côté, ma caméra est prête à filmer. Je sais pas comment il fait des backflips. Bon, la mission là ? Ouais, mission accomplie. D'accord. Bon, très bien. Madame la conseillère ? Marcus, à quoi dois-je ne plaisir de votre appel ? Il faut qu'on parle, sans témoin. Retrouvez-moi sur la berge, au sud de mon bureau. Ok, j'arrive. Il n'y a pas des voitures garées là, vraiment ? Là. On va pas tout de suite faire la mission principale. J'ai envie de voir un peu ce que nous proposent les trucs secondaires. Ah mais c'est vrai que de toute façon faut aller au QG en fait. En fait il faut aller au QG. Par exemple, intrusion, ça me plaît. C'est pas au QG. Mais on peut se taper là. Pas le QG, ça. Non. C'est le hackerspace. Ah bah oui, le bunker qu'on a acquise. Évidemment. Salut. Salut. Ouh là là, il va peut-être falloir que je fasse une mini-pause, hein. De toute façon, il y a son père, là. Ouais. Ouais. Mini pause de 2 minutes alors. Je reviens.
Voilà, pardon. Le revoir. Mais gars, je suis en ce bunker en vrai, là. Bon, ça va. Ouais, quoique, c'est pas un truc de ouf. Ah, on a quand même des quads, ça va, je prends le rouge. Quad rouge, ça. Hop là! Oh, je voulais tellement arriver sur le toit. Je suis grave déçu. En parlant de toi. Ok, je me suis fait mal apparemment. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Non mais c'est bon, stop. Ah mais non, c'est pas... Attends, on fait quoi là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? On fait la même chose? Ouais, mais attends deux secondes, je suis en train de regarder mes vidéos de gamin. Mesdames et messieurs, Cole le pervers. Espèce de porc. On va lui foutre la guerre. Qui joue dans leur chambre, j'ai à peu près tout ce que tu veux sous la main. Oh non! On peut se voir quand? J'ai besoin de nouveaux trucs pour ce week-end. J'ai augmenté mes tarifs, Grise. Ah, mais putain, qu'est-ce que tu fous, Grise? J'ai rien fait du tout, moi. Mais, est-ce que tu m'entends? Ouais, mais je crois que ça venait de ton côté. Ah, bordel! Grise, t'es encore là? Putain de casque chinois! Qui m'invente? Et voilà, les disques durs, hop. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour mériter toutes ces emmerdes. Des milliers de dollars foutus dans la poubelle. Hop là. Des petites filles. Mais qui fait ça? Dans la salle de bain, qui joue dans la chambre. Et j'ai à peu près. Quelle espèce de taille! Se permet de. Des petites filles. Comme chez moi. Des garçons dans la salle de bain. Attends, je vais tomber. Tu es en flag, mon gars. Attends, j'arrive. Ah. Je suis juste au-dessus de lui, c'est ça? C'est bon de ton côté? Ouais. Oh putain. J'aimerais pouvoir sortir de la caméra et défoncer la gueule de ce bâtard! T'inquiète pas, Marcus. Il y a un point de recherche là, j'ai envie de voir. C'est les gens qui vont s'occuper de lui défoncer sa petite gueule. Marcus, l'un de nos followers m'a envoyé ça. Et encore des infos sur le PDG de Home. Écoute un peu ça. J'étais sur le tapis de course quand cette espèce de connard s'est ramené avec son coach et m'a dégagé. Le Trix. Sa tête me disait quelque chose. Et bah figure-toi que c'était Steven Bader, le boss de chez Home. Et maintenant, peux-tu éteindre ça, lol. Comme lui sont trop bien pour faire la queue comme tout le monde. Hé, hey, ça vous dirait de shooter une vidéo de fitness et de se foutre de la gueule du PDG de Home? Steven Bader? Hop là. Putain, j'aimerais bien encore me foutre de sa gueule à ce guignol. Mais pourquoi une vidéo de fitness? Je suis en train de mater Steve le beau gosse à la salle de gym. Accrochez-vous, c'est parti et pour voilà. Le show. C'était gratos. Je sens que tu vas me faire plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais, pas mal. Par là-dessus. Et seulement à 3000 mètres, lol. Oh, traverser les ponts, y'a rien de plus emmerdant, vraiment. C'est quoi les points où on peut se TP, en vrai? Info de l'opération. Ok, d'accord. Bref. On va aller genre là-bas. Mais vraiment dedans. Histoire qu'on snap un peu l'animation bien longue.
Oups, désolé. Ah, excuse-toi, mec. Hop là. Voilà. Il patine. C'est gratuit. On va se garer comme il faut. Voilà, là on est bien. Là, ne bouge pas. Ah, mais c'est que des trucs comme ça là. C'est quoi tout ça? C'est le fameux truc de salle de sport, là là. Ok, voilà notre PDG préféré. On va le faire transpirer du cul un peu. C'est qui? Vas-y, c'est lui? Vas-y, fais-le tomber. Non, attends, diplômé en finance. Ah, membre de l'Alliance, ok. Accro cardio. Ah. Allez, encore. Allez, bonne chance, mec. Faut y aller, hein. Boum! Eh ben, est-ce que ça va? C'est tout? T'as tout enregistré? Marcus, c'est le truc le plus beau que j'ai jamais vu. Je diffuse. C'est tout? Oh, voir un enfoiré pareil se ramasser comme une merde de facochère sur un tapis roulant. Oh, y a de quoi ramener la paix dans le monde. Tu veux la paix dans le monde, toi? Bah ouais, je sais pas. Ok, c'était tout. Cœur du Zodiac. Bon, on va faire autre chose, hein. Ah, quoique là, c'est les cibles. Toujours debout. Allez. Ah oui, on avait vu ça. C'était un random qui avait donné la quête. Oups. Waouh, la vitesse! Marcus, regarde un peu les SMS d'un flic que j'ai chopé. Hop là. C'est quoi, c'est le truc du tueur du Zodiac? Un cryptogramme? J'adorais ces trucs-là quand j'étais gamin. La vache, ça date. Tu crois que tu sais faire encore? J'aimerais bien que Dead Sex fasse la police sur ce coup-là. Nos followers vont adorer. Récupère-moi ce cryptogramme, gamin, et je vois ce que je peux faire. Attends qu'ils finissent leur conversation. Ah, voilà. Je pense que c'est l'histoire du tueur du Zodiac. Et let's go. $70 d'amende.
Ouais. Wow. Une belle bande de pervers et de puceaux, j'imagine. Il ferait mieux de s'occuper de protéger leur PC. T'inquiète, on va lui foutre la trouille de sa vie à ta nièce. Alors, excusez-moi. Hey les gars, moi c'est Cindy, alias Kikudance01. Et cette danse, c'est un cadeau pour John Boy 415. Oh, Jimmy, je t'ai déjà dit de pas entrer dans ma chambre. Comme si j'avais envie d'aller dans ta chambre pour... Ouais, c'est ça. Mais oula, c'est ta musique de merde. Écoute, ça c'est de la vraie bonne musique, pauvre tâche. Évidemment, la... j'espère que vous appréciez la musique. Et hop, on change. Oh. Oh là là! Jimmy a foutu en l'air ma musique! Oh, la musique qui pose problème là. Non! Oh, mais arrête, Jimmy! Je sais que c'est toi! La musique que j'ai désactivée pour pas me faire bannir. Je te jure, je vais péter un câble! Cette musique de merde! Je supporte pas ce vacarme! Comment est-ce que tu veux que je danse, moi, là-dessus? John Boy, il aime que la bonne musique! Et ça sert rien d'autre que du boucan, putain! Ah, elle dit ça, c'est sûr, non, c'est du métal. C'est trop la honte! T'as envie qu'il apprécie le métal. C'est ça? C'est tout? Salut. Ouais, salut, mec. Je crois que la mission est accomplie. Merci, Marcus. Bon, bah voilà. Cindy et moi, on va avoir une petite discussion tout à l'heure. Mais en attendant, je vais préparer un kit pour aider les petits jeunes à mieux se protéger sur Internet. Ils vont l'utiliser si ça vient de Dead Sec. Ils pensent qu'on est cool, non? J'espère. Comment on grimpe? Ah, où doit-on grimper là-haut? Envie de grimper là-haut. Ça passe par là-haut. Ça marche. Ça mérite une photo, ça. Ou pas. En vrai, c'est pas évident. Hein. Là, depuis là, il n'y a pas la place. Non. À moins d'un échafaudage. D'un truc que je peux piloter à distance, là. Mais là, j'en vois pas. Tant pis. C'est dommage. Oui, bien celle-là. On a combien? On a un point de recherche, deux. Ok. Ce qu'on peut faire aussi... Ah, j'ai oublié avant, mais il y avait un point intéressant. Bref. Quoi, 15 minutes. Ouais. On peut refaire une opération principale. Bon, on va stepper au bunker, voilà. Et voilà, quoi. Ok, let's go. Il n'y a plus ma voiture. Nul. C'est pas ça que je veux, moi. Ah, j'ai quand même le chemin. Je pensais que ça allait là où ça clignote. Pardon, c'est mon pick-up maintenant. Oh, c'était ma voiture, mais bon.
Vous avez l'air d'avoir les clés, c'est que ça doit être la vôtre. Idiot. On va faire ça devant les flics, dans le plus grand des calmes. Plum. Non, là, il faut qu'on trace. Ouah, je vois que le retour du stream, il lag à mort. J'espère que c'est pas comme ça dans le stream. Mais si c'était comme ça, j'aurais les messages d'erreur, je pense. Hey Marcus, tu devrais... Et toujours pas de musique. C'est de l'elfique. Hey, Citara. Hey, mets ça sur l'écran, Josh. Ça vient de Miranda. Vous êtes suivi. Un ami à moi prend de gros risques pour vous envoyer ceci. Soyez prudent, quelqu'un vous prend pour cible. Pour cible? Qui ça? Hein? C'est nous. Merde, c'est maintenant. Eh, hey, regardez celle-là. Il y a quelqu'un qui nous espionne. Il doit être dehors. Hey. Le fumier. Allez hop, on va lui claquer sa petite gueule. Oh, voilà, tranquille, mon grand. On fait ça discret. Je vais sortir par devant et voir si je peux repérer quelque chose. Ouais. Alors. Tac, 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 discrètement. Discrètement. Faut que je sorte de la voiture. Hop. Il y a un fourgon. Ouais, c'est eux. Faut qu'on récupère ce qu'on peut. Quelle réinitialisation, c'est quoi ça? Fallait que je sois dans la zone. Trop bien. D'accord, je suis allé peut-être un peu comme un con. Oh, j'ai la flemme, fumez-moi là. Pénible de nouveau, c'est terrible. Je vais y aller discret là. Let's go, on m'a confisqué ma voiture du coup. Tout se passe très mal. Y'a un fourgon. Ouais, c'est eux. Faut qu'on récupère ce qu'on peut. Ah mais vraiment hors de portée, genre ça se déclenche dès que le détecte, c'est débile. Voilà. Putain, mais c'est qui ces types? Ils ont une tonne d'infos sur nous. Y'a des photos et même une carte avec les déplacements quotidiens de Josh et plein d'autres trucs. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le FBI. T'as piraté le FBI. Tiens, écoute, je suis dans leur canal de com. Attention, quelqu'un tente d'accéder à notre source d'information. À tous les agents, dirigez-vous vers le suspect. Oh non, ça lui a juste roulé sur les yep. Mais non! J'espère pas ce que je voulais faire. Baisse-toi, idiot! Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait griller par un Daimon anti-hacker. Je m'occupe de lui, une seconde. Oh putain! Sérieux? Ça y est! C'est pas trop tôt! On est en train de récupérer un max de trucs là. Va
falloir absolument qu'on diffuse ça. Je suis un peu occupé. Ah, mais ils ont rien à voir, eux, sérieux. Ah ouais. C'est vrai. Tellement bled. Mais comment? Est-ce que je peux ne pas me faire repérer? Sûrement, en vrai. Ah, voilà, évidemment, j'ai mis ça pour la fin, c'est l'enfer. Faut absolument que je les fume. Sans qu'ils appellent de renfort, mais ça, je sais pas si c'est possible. Il y a un fourgon. Ouais, c'est eux. Faut qu'on récupère ce qu'on peut. Oh putain! Mais c'est qui ces types? Ils ont une tonne d'infos sur nous. Il y a des photos et même une carte avec les déplacements quotidiens de Josh et plein d'autres trucs. Mais c'est quoi ce bordel? Les deux! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le FBI. T'as piraté le FBI. Tiens, écoute, je suis dans leur canal de com. Attention, quelqu'un tente d'accéder à notre source d'information. À tous les agents, dirigez-vous vers le suspect. Je n'appelle pas les renforts. C'est non. Ah, j'en ai encore les oreilles qui sifflent. Ils sont plus que trois pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait griller par un Daimon anti-hacker. Je m'occupe de lui, une seconde. Oh putain! Mais non, putain, c'est pas... C'est pas trop tôt. Rien à signaler, je continue. Non, retour arrière. On est en train de récupérer un max de trucs là. Va falloir absolument qu'on diffuse ça. Je suis un peu occupé là, Rage. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'étais pas obligé de me faire cramer, du coup c'était vraiment... Ah, ils sont barrés du coup, let's go. Ils sont pas du tout sur moi. Qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? Ça m'arrange de ouf. Allez, allez, allez. Let's go. Indétectable. Juste un malade. Bon, on va essayer de choper ces petits points de recherche là. Range, qu'est-ce qui... Tu sais qu'on joue avec le FBI là? Faut qu'on limite les communications au strict minimum. Ok, mais... Ça ne marche pas. C'est passé quoi? Face à face à la rigueur. Retrouve-moi là, bah, là où tu sais. Range? Range? Bon bah c'est parti pour le café alors. Oh! C'est pas ce que je voulais faire. Je sais pas, en fait... C'était classe, mais c'était pas ce que je voulais faire. On a essayé de contacter Horatio. Il répond pas aux appels et son téléphone bouge plus. Tu peux t'assurer qu'il va bien? Je te donne sa position sur ta carte. Ok. Et voilà. Comment on monte?
fait, il faut toujours le véhicule là. Pas possible sinon. C'est quoi ça? Continue. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, on a peut-être fait un peu de bordel, c'est vrai. Bon. C'est en bas? Ah oui. Ah d'accord. I got it. Ce sera mon tuto. Faut que je remonte par contre. Oh non, le téléphone. Ah, j'ai eu peur, je crois que je pouvais pas. C'est trop pas vers la police, mais... Non. Quoi? C'est pas ce que je voulais non plus. Voilà. Descendre, remonter. Tac. Voilà. Mais ça marche bien, hein. Je trouve il est aussi là-dessous. Ah. Et oui. C'était bien ça. Ah, carrément. Qu'est-ce qu'elle fout, là? Quoi? What the what? Ça va? Quoi? Cassez-vous! Bref. On va s'arrêter là. Merci à tous d'être passés. Je crois qu'il n'y a plus personne, malheureusement. C'est pas grave, on finit là-dessus. Voilà, ça a avancé un petit peu, c'était sympa. Mais c'est la fin. Hop, merci à ceux qui étaient là. Et je vous dis à la prochaine, probablement vendredi, ce sera pas avant malheureusement. Watch Dogs Légion qui est en solde sur Steam, je l'ai acheté. Ce sera prêt pour la suite. Allez, ciao, bonsoir à tous. À bientôt.